préparez-vous car là ça va casser de la bouche. Yo tout le monde, ça fait le rire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP avec le Super Végéto Ultra. Mais à la différence du showcase que j'ai tourné il y a de ça quelques jours, cette fois-ci on va maximiser les coups du perso. On va le booster, on va booster la frappe du personnage. Vous allez voir, sans cheat. Pour cela, on va ajouter les coups critiques à Super Végéto. Alors, je vais vous montrer, au cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est quoi les coups critiques pour les nouveaux joueurs. C'est ce qui vous permet, entre guillemets, de booster chaque coup que vous allez donner in-game. Et pour cela, il vous faudra le Badak SSJ Zenkai. Et vous allez voir que, préparez-vous, je pense que là, ça va casser sévère, comme j'ai pu vous le dire. Il faut aller directement dans les détails, capacité. Ensuite, vous allez sur les passifs du personnage, la cape unique que vous voyez là. Enfin, du moins, les capes uniques, ce sont les passifs. Eh bien, au début, on a, une fois entré en scène, si au moins un autre Super Saiyajin fait partie des combattants ayant été sélectionné dans l'équipe, les effets suivants s'activent, ça augmente de 40% les dégâts infligés déjà dans un premier temps. Et en même temps, tu as une réduction au niveau des strikes et au niveau des blasts. C'est une augmentation de 70% de la vitesse de récupération du ki. Donc ça, c'est pas négligeable. Déjà, 40% de plus au niveau des stats. Parce que bah, le Super Végéto, il est de classe SSJ, Super Saiyajin. Et c'est pas tout. Passif numéro 2, les Saiyan dorés. Regardez, c'est là où ça va devenir vraiment très très intéressant. Lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'appliquent aux classes Super Saiyajin. Super Végéto et Super Saiyajin. Donc là, c'est parfait. Augmente de 25% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Augmente de 30% les coups critiques pendant 15 secondes. Et là, ça augmente de 70% les dégâts des coups critiques pendant 15 secondes. Donc là, en fait, imaginez-vous, Super Végéto, si il va frapper et qu'il va mettre un coup critique, mais ça va être vraiment phénoménal. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça va donner. Je l'ai mis dans cette team-là pour vous montrer le concept, pour que vous puissiez jauger et juger la différence avec le Badak de la team et le Badak qui n'était pas dans la team lors du showcase, d'accord? Ou du moins, qui n'était pas au combat, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il vous faudra impérativement mettre le Badak in-game au combat avec vos deux autres personnages. Vous commencez directement avec Badak et tout ça, et après vous allez voir, normalement, ça va être un truc de fou. J'ai hâte de voir ce que ça va faire en PVP. Max de pouces bleus, les amis. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous avez testé ça. Bon, bien évidemment, mon Super Végéto, il est 14 étoiles, mais même à 5 étoiles, si vous l'avez chopé juste une fois avec les 2000 PZ à 5 étoiles, croyez-moi, vous mettez le Badak SSJ avec et ça va arracher de la bouche. On est parti. Yeah! Première game, et bien du coup en face de nous on a également Végéto, Gogeta, il y a également le Badak, donc je pense que si ça se trouve il veut également faire la même chose que moi. Surtout n'oubliez pas, il faut commencer avec le Badak Zenkai au début de la game, comme ça vous avez vu hein, voilà, une fois rentré en scène après vous repliez et vous obtenez des dégâts supplémentaires. Il a pris la même team que moi également. Et bah du coup les amis, on est parti, on va voir. Alors moi aussi il faut que je fasse attention parce que si lui aussi il crit sur ses coups, ça va me faire bobo hein. Voilà, je préfère l'envoyer à la cuisine plutôt que ce soit lui qui m'envoie à la cuisine. Allez. Ich. Voilà, c'est bon, ça passe. Voilà. Ok. Ok, on est bon. Ok, la cover. Donc là, faut faire attention. On se concentre un minimum quand même. Ich. Voilà, c'est bon. Allez. Une strike, parfait. Deux strikes, parfait. Le Badak, voilà, oh la blast de fou. Bon bah là ça c'est au one shot. Là c'est, voilà, une blast, une spé, c'est cousine. Allez, dodo, voilà, merci, au revoir. Allez, bim, voilà la blast encore qui fait plaisir. Voilà, là le Végéto on va l'arracher. C'est dommage, ça a pas crit, c'est dommage. Ça a pas crit encore, de toute façon vous l'entendez au crit, hein, ça change le son. Ok. Bien joué, il a fait un perfect dodge, bien wesh. Donc là, attention, ok. Ok. La tempo, la tempo, la tempo. Faut attendre le pas de côté. C'est parfait, voilà. Hop, on a bien tempo, on a attendu le pas de côté, il a fait l'erreur. Là, je vais le forcer à esquive. Ok, c'est bon, il a esquivé. Ok. Donc là, c'est Badak, comme ça, il va encaisser. Voilà, c'est bon. Ok, il a fait le main, donc au pire des cas, continue à taper. S'il y a besoin, je mettrai le Super Végéto Ultra sur ton attaque ultime. Comme ça, il pourra tanker. Ok, pour l'instant, on est bon. Ok, là, on va mettre Super Végéto. Pour l'instant, je suis pas inquiet, la game, elle se passe plutôt bien. Il n'y a pas assez de coups critiques à mon goût, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ok, c'est bon.
Ok, parfait. Allez, let's go. Là, ça crit. Là, vous avez vu les dégâts? Là, ça a crit, les frères. Oh, voilà. Et puis, voilà. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Est-ce que vous avez vu la différence? Voilà. Quand la strike, elle a crit sur le Végéto, remettez, hein, remettez un petit peu en avance hein, sur la vidéo. Vous allez voir la barre de vie, comment elle a fondu rapidement. Une strike, mais il est parti, frère, à la cuisine. On l'a envoyé sur Namek. Il a pris la tartine de Nutella, le pot de confiture. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc voilà, une fois que ça crit, c'est absolument incroyable avec le Super Végéto à 14 étoiles que j'ai. Voilà, alors là, c'est encore mieux. Franchement, c'est aux petits oignons. Ok, il y a du Mingaté en face de nous avec Tapion. Il y a le Goku SSJ3 également. Il y a pas mal de verres. Mais je pense qu'il va prendre le Goku SSJ3 et après Mingaté Tapion. Donc là, cette fois-ci, on va pas prendre le Gogeta Ultra. Bien évidemment, on va prendre le Badak pour obtenir les coups critiques, accompagné du Tag Cyborg et du Super Végéto. Là, on n'a pas forcément besoin du Gogeta Ultra parce qu'avec son Goku SSJ3, ça peut faire mal. Donc là, il a mis quoi? Tapion, Mingaté et Goku SSJ3. Ok, là, il faut absolument que le Badak m'apporte des crits durant cette game. Donc on va essayer de tout faire pour, hein. Voilà, c'est le but, les amis. Mais j'aimerais vraiment vous montrer que quand ça crit, ça va super vite, quoi. On va voir, allez. Ok, tempo, yes. Un crit, là ça fait mal, vous avez vu la strike? Allez, deux crits, voilà. Et en deux blasts, en deux strikes, plus une blast. Voilà, ça c'est du critique. Vous avez vu la rapidité? La violence? Ok. Regardez, ça crit encore. Midlife en une strike. Oh là 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 là. Mingaté contre-type. Oh là là, vous avez vu la blast? Oh là 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 là. Voilà. C'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Et je suis super content de vous le montrer dans cette vidéo. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Forcément, il est contre, hein, sinon ça va beaucoup trop vite, hein. Ok, ish, cuisine. Oh là, non mais là. Oh bah oui, bah non mais c'est normal. Non mais c'est normal les gars. Est-ce que vous avez vu la violence? Quand je vous dis, quand Super Végéto, il est dans une team qui vous permet de donner des coups critiques, voilà, avec le Badak. Et encore, on n'a même pas vu le Taxi Borg, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été beaucoup trop vite. Le Super Végéto que j'ai à 14 étoiles, bien évidemment. Franchement, je le souhaite à tout le monde, hein. Et ceux qui se sont fait shaft, je suis désolé pour vous, hein. Voilà, j'espère vraiment que vous aurez de la chance dans les prochains tirages, il reste encore du temps, tout ça, on va avoir des cristaux à farm et tout, mais la violence, c'est insane, accompagné, bien évidemment, des équipements que je lui ai mis sur la tête au personnage, voilà, parce qu'il a des équipements qui lui permettent, du coup, de frapper fort, parce que c'est un perso défensif de base, donc voilà, avec les équipements Z+, tout ça, voilà ce que ça donne, les gars, c'est absolument incroyable. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Vraiment, moi je suis scotché, hein. Voilà, le perso 14 étoiles, quand ça crit, voilà. Alors au cas où pour les nouveaux joueurs, comment on fait pour crit à chaque fois? Sachez que les coups critiques, c'est aléatoire. Vous savez pas à quel moment ça va se faire. Quand vous tapez, un coup ça se déclenche, un coup ça se déclenche pas. Des fois ça se déclenche 2-3 fois d'affilée. Ça c'est merveilleux, tu vois. Mais voilà un petit peu les amis ce que je voulais vous montrer. Ça sert à rien d'aller plus loin. Le showcase, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ce fameux showcase. Mais là, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est les coups critiques, la violence. Et j'ai réussi à vous le montrer assez rapidement dans cette vidéo. Vraiment spectaculaire les amis. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Merci à vous, max de pouces bleus en mode GameKidama. Et n'hésite pas également à partager cette vidéo parce que c'est tout simplement insane. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Ah.